Putain, c'est blanc, mon vieux. Bonsoir à tous, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo spéciale, on va visiter les locaux d'LV3D. Et ouais, parce qu'aujourd'hui, on est à Angoulême. Et comme vous le savez, vu que je suis partenaire avec la boutique, on va aller visiter tout ça. On va aller faire un petit coucou à Karl, s'il est là. On est arrivé. Et tu me préviens même pas que t'es là. Eh, hey, salut Karl. Salut. Bonsoir. Et on est avec Karl de chez LV3D. Bonsoir Karl, hey, comment vas-tu? Salut petit loup. Voilà, comme je disais, on est passé à Angoulême à la boutique et tout. Là, Jola chez LV3D. Hashtag LV3D, hashtag LV3D. Hashtag LV3D, hashtag LV3D. Pouce like voilà. Dessous, pouce like. Un petit pouce bleu. Et du coup, on était parti pour faire une petite visite de la boutique. Avec la Zorpan M200, là on est en train d'imprimer les supports. Ouais. Voilà, les ah ouais, c'est les supports sont... pour les bobines ça. Les supports pour les bobines. Qu'est-ce que le Yuda, c'est un animal. Yes. Et tu sais quoi? J'ai vu la vidéo où tu l'as primé. Franchement, ça tue avec les couleurs et je tout. Je t'aime Yuda, parce que je suis bouddhiste, donc je suis bouddhaïste. Yes. C'est un mélange de Bouddha et de... Et de Yoda. Je suis Yudaïste. Yudaïste. Wow, on a inventé une nouvelle religion, yes. Les gars. Le Yudaïsme. Tu n'es plus musulman, tu n'es plus catholique, tu n'es plus juif, tu n'es plus. Tu n'es plus protestant. Tu es Yudaïste. T'as compris comme voilà. Ça voilà. Comme ça, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il y a du rose et du vert. Et franchement, ça tue. Ah. C'est excellent. Et là, on a les commandes en préparation. D'accord. Voilà. Donc on voit qu'on n'est pas en avance du tout, hein. Ah ouais, effectivement, t'en as un petit paquet là, vite fait là. Un petit peu vite fait là, ces dernières 48 heures. En fait, ouais, le temps que j'aille faire un petit tour chez Dagoma, et eh ben direct, les commandes se sont accumulées. Karl va nous montrer un truc de fou, un truc de malade. Oh lolo, regardez ça. Ah ouais, c'est vrai ça. Pour toute commande chez LV3D. Ouais, et t'as le droit à ton petit taux de sucre quoi. Rien que pour ça, faut commander une imprimante. Juste pour ça. Pour les plus gentils, ils ont des tatouages. Ah, ça c'est pour les plus gentils ça. Attends, voilà. Ça c'est pour les plus sages. Oh là là, non, celle-là tu sais, je l'ai vue dans la vidéo celle-là. Mais je l'avais jamais vu en vrai et on s'en rend pas compte, tu vois, même à la caméra on se rend pas compte. On dirait que c'est une photo à la caméra. Ça c'est. Alors qu'en fait, attends, je vais essayer de bouger en perspective. C'est carrément. C'est une photo en 3D. C'est une photo en 3D. En fait, alors c'est je vous donne un petit tuyau ouais. Que tu pourras faire aussi. Les ouais. Gens, les abonnés de Jolat, les abonnés de Jolat. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne d'LV3D si vous êtes passionné par la 3D et tout. C'est un truc de fou, vous allez apprendre vraiment énormément de choses. C'est un truc de fou. Allez vous abonner, il y a le lien de la chaîne, il est dans la description. Voilà, ah bah c'est petit pouce bleu pour LV3D. C'est super cool. Et si vous vous êtes abonné de la part de ce monsieur, marquez-moi hashtag Jolat, comme ça je sais que c'est... Mais non, mais comme ça je sais que c'est ton équipe. Vous ça, je pense que ça peut intéresser tout le monde, on n'en a jamais parlé. Si vous avez une photo de votre maman, comme c'est bientôt la fête des mères, ou de votre papa, parce que moi du coup on m'a jamais fait de cadeau de fête des mères. Hein. Bon, tu comprendrais pourquoi, du coup je suis plus un papa. Bon bref, si vous voulez faire un cadeau, vous savez pas quoi faire, mais vous avez une imprimante 3D. Vous prenez une photo, vous la téléchargez dans Cura by Dagoma. Ouais, connais ce petit logiciel. Vous posez la photo, vous mettez des contours amincis et hop, par magie, vous allez avoir une photo en 3D. Parce que ça, c'est une photo d'une vraie personne en fait. Ah, ok, d'accord. Et je crois que je vais m'imprimer en 3D en revenant à la maison, ça va être un truc de fou. Là, oh, yes. Le fameux casque. Non, ah ouais, celui-là, je le vois à chaque fois dans les vidéos. Stormtrooper. Le Storm Karl. Abonne-toi à la chaîne de Jola. Et ça non, en fait, c'est moi. Ouais, tu peux t'abonner quand même, mais c'est juste pour montrer le ça casque. Déchire. Ah ouais. Ouais, il en est fait avec une Zortrax M300. En fait, c'est comme une Zortrax M200, ouais, sauf que ouais. Le plateau est plus grand. D'accord. Et on en a une beaucoup plus grosse que tout ça qui arrive. On a la Maker Pi M400. Oh là là, comment qu'elle déchire ton araignée, Karl. C'est fait avec du filament OWA. Aïe, 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 aïe. Zortrax M200, ça fait juste super. Regardez, c'est tout articulé. C'est un truc de malade. Et tu sais, je voulais vous dire quand même, parce qu'en fait, si vous voulez, je suis revenu ici pour ramener l'imprimante à Karl. Et vu que je suis un noob, Karl va me la régler. Dès que l'imprimante, elle marche, je vous assure qu'il va y avoir des vidéos sur l'imprimante, des lives, parce que je vois qu'il y a plein de personnes qui me demandent dans les commentaires. Ouais, c'en est où l'imprimante? C'est vrai, je t'assure. Et il y a un petit fan club dans le groupe.
ils sont à fond LV3D, car ils sont à fond imprimante 3D. Est-ce voilà. Que vous pourrez lâcher un gros pouce, un gros pouce like sous la vidéo, s'il vous plaît. Lâchez un gros pouce like sous la vidéo. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Ça, c'est fait avec du scotch. Du scotch LV3D. Du scotch Blue Tape, mais c'est mieux le Bulta qu'LV3D. Ah ouais, ouais. En tout cas, les gens, vous inquiétez pas. Dès qu'on récupère l'imprimante, on va faire péter tout ça, mon vieux. Les hand spinners, les Yoda Bouddha, les poignées de mobilette, mon vieux. T'inquiète pas, je vais tout imprimer de A à Z. Pas vrai, Carl? Ouais, c'est hein? Juste énorme. Voilà. Énorme. Voilà. De malade. Un truc de fou. Je vais plagier Carl. Carl, est-ce que je peux te plagier? Mais plagiat. Hey, Carl, ça va? T'abuses. C'est bon. Oh là là, comment que ça tue. Et tu sais qu'en tout cas, Carl, c'est grâce à toi, moi, que tu m'as rendu mordu de l'impression 3D. C'est mon vrai. Quatrième révolution industrielle. Je sais, tu l'as dit au moins 10 fois dans la vidéo si d'Agoma. La vidéo va sortir avant ou après les élections. J'ai un message à faire passer. Après. Juste un petit message. Juste. T'en as marre de Marine? T'en as marre de Macron? Votez pour moi. Imprimante voilà. 3D pour tout le monde. LV3D et président. Et tarte au citron, bien sûr. Meringuée. Toujours. Ben oui, voilà. En tout cas, les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu parce qu'on va laisser Carl retourner à son petit travail, tranquille. Ah oui. Nous, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne d'LV3D si vous êtes passionné par la 3D et tout. Vous allez apprendre plein de choses. Toutes les infos sont dans la description. On vous dit à la prochaine. Et ciao tout le monde. Bye bye.